Monsieur le député, la parole est maintenant à Madame Valérie Rabault pour le groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Herr Bundestag Präsident, mes chers collègues allemands et français, liebe deutsche und französische Kolleginnen und Kollegen. Pour celles et ceux qui se sentent les enfants de l'amitié franco-allemande, ce 55e anniversaire du traité de l'Élysée nous invite à prendre conscience de la richesse de ce passé et à prendre nos responsabilités pour l'avenir. Je fais partie de ces enfants de l'amitié franco-allemande, de ceux qui ont eu la chance de faire des séjours en Allemagne. Pour ma part, c'était dès l'âge de 13 ans à Brême, d'y retourner chaque année pendant mes études. Munich, Bamberg, Düsseldorf, Berlin, Hambourg, Eichstätt. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance de vivre une amitié concrète avec le peuple allemand. Une amitié certes permise par le traité de l'Élysée, mais une amitié qui est allée bien au-delà du cadre institutionnel prévu par le traité. Parce que vous, les députés allemands, êtes nos amis, je veux vous parler ici avec la franchise de l'amitié. Avec mon groupe, le groupe socialiste, présidé par M. Faure, ici présent, nous voterons ce projet de résolution, nous le voterons au nom de notre amitié. Nous la voterons, cette résolution, parce que pour la première fois, nos parlements, le Bundestag et l'Assemblée nationale, ont pris l'initiative de cette résolution. Et pour nous qui vivons sous le régime de la Ve République, où l'exécutif décide quasiment de tout, ceci a encore un sens plus important. Nous voterons cette résolution car, pour la première fois, elle consacre le développement des eurodistricts, c'est-à-dire la capacité à laisser nos territoires transfrontaliers pouvoir prendre des initiatives par eux-mêmes. Nous la voterons enfin pour le rôle qu'elle donne à nos deux assemblées dans l'écriture du traité de demain. Mais nous pensons que réécrire un nouveau traité de l'Élysée suppose deux choses. La première, c'est se mettre à la hauteur des risques qui ont été pris en leur temps par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, par Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, par Georges Pompidou et Willy Brandt, qui ont créé les trois premiers lycées franco-allemands, par, enfin, François Mitterrand et Helmut Kohl. Pour y parvenir, voici ce que nous aurions aimé y voir en plus. Tout d'abord, un engagement clair sur l'investissement. Si on ne fait rien, mes chers collègues, pour l'investissement, nous condamnons notre futur commun. Nous serons deux vieilles nations qui regarderont le futur se construire ailleurs. Alors, pour en discuter très souvent avec mes amis et collègues du SPD, je sais que cette question est difficile entre nous. Elle est difficile à cause de la dette publique importante que porte la France. La résolution est trop timide sur ce point de l'investissement. Certes, il y a le point 25 qui acte la création d'un fonds d'investissement commun, public-privé, pour soutenir les projets innovants. Ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Et surtout, il nous semble que c'est en deçà de la résolution qui avait été prise en 2013 pour le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, qui actait de l'investissement pour la filière spatiale, l'agriculture ou encore la rénovation énergétique. Aussi, nous formulons le souhait qu'il y ait un engagement fort et chiffré d'investissement sur la transition énergétique, l'agriculture, le numérique et les transports. Deuxième condition ou deuxième exigence que nous aurions aimé voir figurer dans cette résolution, c'est un engagement clair sur notre vision de l'Europe. Le traité de l'Élysée vaut pour nous-mêmes et pour notre amitié, mais il vaut aussi comme pilier de l'Europe. Nous l'avons entendu ce matin au Bundestag. C'est cette vision-là qui est attaquée par les extrémistes. C'est donc cette vision-là que nous avons le devoir de porter et aussi l'ambition. Pour conclure, permettez-moi de citer ces mots du chancelier allemand Willy Brandt. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Ce qui signifie que grandissent ensemble ceux qui se mettent ensemble. Nous voulons construire, progresser,
C'est pour cela qu'il faut construire un parcours commun. Alors que vive l'amitié franco-allemande, que vive l'Europe. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe Europa. Je vous remercie. Ich bedanke mich bei Ihnen. Merci, Madame la députée.